oui, c'est quelqu'un qui de sa paraplégie explose dans une autre dimension et qui nous fait prendre conscience de tout à fait autre chose. C'est-à-dire que j'avais pas pris conscience de cette mesure-là, de ces mesures-là, et j'ai évolué quelque part dans cette vision de la paraplégie totalement. C'est-à-dire que j'avais déjà suivi pas mal de paraplégiques pour des problèmes de plaies. Avec des techniques particulières de cicatrisation, pour aussi des techniques antidouleurs ou des polyspasticités. Et c'était pas du tout la même chose, c'était pas du tout la même dimension. On est rentré dans une autre dimension. Et quelle est cette dimension? Bah, la dimension de l'homme qui me dit je vais marcher cet après-midi, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable et qui est vrai, quoi, qui existe. Bah, ce caractère exceptionnel, c'est le fait d'être en équilibre sur des cannes, avec une absence totale d'appui au niveau de ses pieds, avec une non-utilisation de ses membres inférieurs, et avec une pathologie médulaire, en D12. On peut parler de D12? Donc, ce qui fait que la marche est impossible. Elle est normalement impossible. Ni la marche, ni la Voilà, il sensibilité. est impossible. On ne peut pas demander à quelqu'un de marcher avec des cannes, de bloquer ses jambes totalement et de marcher. C'est-à-dire que dès qu'il se retrouve en arrière, il n'a plus du tout, il va tomber. Et lui arrive à avoir un équilibre avec ses mains, ce qui est quand même incroyable. En plus, ses jambes, ses membres inférieurs deviennent un handicap. C'est-à-dire que c'est avec ce moment podulaire où il est obligé d'avoir une espèce d'amplitude pour marcher, alors qu'il y a absolument ses jambes deviennent un handicap, un poids. Et il faut qu'il gère tout ça. Donc c'est complètement incroyable. Sûrement, le virage scientifique actuellement, peut-être dans notre pays, c'est d'utiliser plus des biomatériaux, d'utiliser plus des techniques pour aider le paraplégique, le handicapé, avec un apport de matériaux et de prothèses. On aimerait bien peut-être pouvoir voir un développement important des autres techniques géniques ou cellulaires qui ont l'air d'être extrêmement prometteuses dans d'autres pays, peut-être pas forcément toujours sur l'humain mais sur des animaux, mais avec des résultats assez exceptionnels actuellement. Alors, qu'est-ce qui bloque en France, d'après vous? C'est un blocage administratif et d'éthique médicale qui va sûrement évoluer et qu'il faudrait faire évoluer, je pense, de l'avis de tout le monde, même des chercheurs qui pourraient peut-être se mettre au même niveau que leurs confrères étrangers, qui ont peut-être plus de liberté pour développer ces thérapies cellulaires. A priori, le fait que les gens comprennent ce qui a été fait, l'exploit qui a été fait aussi bien dans la traversée de la France qu'au niveau des escaliers de Beausoleil, avec un exercice d'équilibrisme et surtout une performance physique énorme, qui serait difficile à explicable pour même pour quelqu'un pour un sportif aguerri. À partir du moment où les gens pourraient comprendre un peu mieux cette situation, il y aurait sûrement un esprit collectif plus facile à obtenir. Et s'il le comprenait, il faudrait qu'il se projette aussi dans le fait que ça peut arriver à tout le monde. Oui, je pense qu'on a trop tendance à avoir une vision de la paraplégie avec une chaise roulante une vie parallèle. Là, on s'aperçoit qu'on a quelqu'un qui se met en devant de la scène avec beaucoup de leçons à nous donner sur le plan sportif et physique. Donc, je pense que les gens, en comprenant ça et en voyant Joe Cals, auront sûrement envie de réagir différemment et de faire développer cet esprit, quoi. Je pense que si on reprend l'homme dans son histoire de l'humanité, l'homme est un chasseur-cueilleur avec un matériel, et il a toujours le matériel génétique et le cerveau d'un homme de Cro-Magnon. Donc le chasseur-cueilleur, il est debout et il court. Joe Cals, il a dans sa tête le même matériel génétique.
Donc le fait qu'ils veuillent se remettre debout, c'est normal et presque obligatoire. Après, les performances qu'il utilise pour le faire sont assez extraordinaires. Donc ça, il faudrait que les gens le comprennent et comprennent aussi que le fait d'être paralysé des membres inférieurs et d'avoir une paralysie à partir de D12, c'est-à-dire au niveau de la moitié du corps, avec un handicap incroyable de tout ce qu'il y a en dessous, qui gêne énormément une marche, c'est un exploit un peu important. Hein. Les chercheurs français et que le système de recherche française s'intéressent beaucoup, ne fassent pas seulement que s'intéresser aux choses, à la recherche au niveau mondial, mais s'y emploient également et soient associés à cette recherche mondiale pour que les choses évoluent rapidement et que les paraplégiques et les gens qui ont eu des traumatismes de la colonne en bénéficient le plus vite possible. Puisque ça va arriver, c'est des progrès qui vont arriver rapidement dans les années qui viennent, mais le temps presse et il faudrait que ça aille vite, quoi. Tout ce que vous venez de voir et d'entendre, c'est mon quotidien. Et pour pouvoir changer les choses, j'ai besoin de vous. Et pour éviter dans l'avenir à ce que des jeunes aient à vivre ce que je vis, j'ai besoin de vous. Maintenant, nous avons l'occasion d'agir pour demain, ensemble. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Sans votre aide, tout ce que j'ai accompli n'aura servi à rien. Associez-vous à ma cause et devenez mon sponsor.